Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Anna sur 24. Bienvenue à cette édition d'information. L'Agence de développement de l'Union africaine et du MEPAT a organisé depuis 4 jours une formation à l'intention des jeunes. Ceci s'est déroulé à l'École nationale d'administration. Pour plus d'éclairage, suivez les explications du directeur de la dite agence, Amine Idriss Adoum, au micro de notre reporter Ahmed Moussakhadi. Organiser cette formation pour former des formateurs d'entrepreneurs. Nous l'avons organisé avec le soutien, plutôt en collaboration avec l'Agence nationale pour les investissements et les exportations, mais aussi l'École nationale d'administration. La formation vise à donner les capacités techniques nécessaires à des formateurs tchadiens, donc ils sont une cinquantaine, ils et elles sont une cinquantaine, afin qu'elles puissent nous servir de relais pour former un plus grand nombre d'entrepreneurs ici au Tchad. Et les formations que nous proposons dans le cadre de notre agence vont dans quatre directions. Premièrement, structurer leurs entreprises, ça c'est un. Deuxièmement, les aider dans un processus de facilitation d'accès à des financements. Et puis ensuite faciliter leur accès au marché et puis travailler ensemble donc avec les partenaires nationaux ici que sont la Chambre de commerce mais aussi les autres institutions et l'ANI pour pouvoir éventuellement lancer un fonds de protection sociale à l'endroit des entrepreneurs jeunes, femmes et hommes. Donc voilà l'objectif de manière ramassée de cette formation. Je voudrais aussi signaler que ici au Tchad, les MPME, à savoir les micro, les petites et les moyennes entreprises, représentent plus de 70 voire 80% de la création de richesses. Et ces entreprises sont les premières employeuses dans le pays. C'est-à-dire sur 10 emplois créés, en général 8 proviennent des micro, des petites et des moyennes entreprises. Donc il est important, il est crucial de les soutenir si on veut soutenir le développement économique, la transformation économique du Tchad. Voilà pourquoi nous investissons énormément dans ce domaine avec l'agence africaine, l'agence de développement de l'Union africaine, ODA. Et puis, célébration ce 5 décembre 2021 de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, 5e édition. Ceci s'est déroulé à l'hôtel Radisson Blue, placé sous le thème « L'entrepreneuriat et potentiel pour la création d'emplois et la relance de l'économie par la capture de la dividende démographique ». Suivez les explications de Duko Dingam Grasse. Le monde en général célèbre aujourd'hui la semaine d'entrepreneuriat, mais la semaine consacrée aux entrepreneurs a une origine purement anglo-saxon. Il s'agit de fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre comme on pourrait fêter la danse ou la musique. Ces entrepreneurs ont des talents et les mettent au service de la société, aussi bien dans les secteurs divers. L'occasion pour le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat d'encourager les jeunes entrepreneurs dans son allocution. C'est donc mon devoir de saluer le courage, l'abnégation et le dévouement dont chacun de vous a fait montre durant la semaine et surtout la détermination avec laquelle vous allez conduire cette semaine de communion, d'échange et d'intense activité. Nombre de jeunes se réunissent pour discuter de la question de l'entrepreneuriat. C'est dans le cadre de la 5e édition de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui se célèbre chaque année. Cela est une solution idoine pour l'insertion socio-professionnelle et gage de l'innovation. Une photo de famille a marqué la fin de la célébration de cette cérémonie. Et puis, découvrons ensemble le bienfait de ces légumes beaucoup plus consommés par la population tchadienne. La betterave, un concentré de vitamines, elle est pleine de bienfaits avec son concentré de fer et d'acide folique. Pour ces vertus, retrouvons Diko Dingam Grasse. Excellente pour une femme enceinte et ceux qui suivent des régimes particuliers, à savoir les végétaliens et végétariens. L'acide folique est indispensable au bon développement du fœtus. Pendant votre grossesse, n'hésitez pas à vous offrir une petite cuillère de betterave pour que le bébé pousse bien.
En bref, la betterave vous revitalise et possède une excellente valeur nutritionnelle. En plus, avec sa teneur en bêta-carotène, elle vous assure une bonne mine, même en plein hiver. L'une encore des vertus non négligeables de la betterave réside dans sa capacité à nettoyer le sang. Sa couleur rouge fait d'elle l'allié des cellules du sang. Elle favorise de ce fait l'apport en oxygène dans votre organisme. De ce fait, elle améliore votre circulation sanguine en dissolvant les dépôts de calcium non organique. Exite les soucis de cœur et les varices qui apparaissent sur vos jambes, souvent inesthétiques. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision Anna sera 24. Au revoir.